Georgia, Georgia, to hold it through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. C'est la première fois qu'on va chanter ensemble. C'est voilà, une première pour Taratata. Une première pour moi parce que j'ai jamais fait de duo de ma vie. Donc tout est premier avec Victor. En fait, moi je suis très attaché à ma maison de disques qui s'appelle Barclay. Et en fait, Yorina a rejoint Barclay il n'y a pas longtemps. Donc moi déjà, pour moi, c'était quelque chose de très important de pouvoir soutenir la maison de disques et collaborer avec des artistes qui, voilà, qui sont ensemble et qui partagent les mêmes valeurs. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait à l'Olympia, et à l'Olympia ça s'est très bien passé. Ouais, moi, c'est une super expérience pour moi aussi. Et on s'est dit pourquoi pas refaire la même chose à Taratata, retenter une collaboration ensemble, c'est super. Ouais. Alors, Georgia on my mind, pour moi, ça fait vraiment partie des morceaux phares de ma vie, je pense, qui m'ont donné envie de devenir musicien et qui m'ont donné envie de devenir chanteur. Donc c'est un morceau que je connais depuis très longtemps et que j'avais envie de partager avec le public, avec vous aussi, avec Taratata. Donc je suis très ému, très content de pouvoir le faire. Et ensuite, comment ça s'est fait pour l'arrangement? En fait, on a répété ensemble. Moi, j'ai l'habitude de répéter toujours en live avec mes musiciens, sans ordinateur, et de voir comment la chanson peut sonner comme ça. Et on a essayé de se la réapproprier, donc de la rendre un peu plus, je pense, moderne, un peu plus minimaliste aussi. Et c'est de faire autre chose qu'une version assez jazzy, en fait, parce qu'elle est très jazz. Les accords sont très fournis. Et là, voilà, on l'a épuré, on l'a modernisé. Ouais. On a essayé en tout cas, mais c'est un tel monument, alors moi je prends vraiment des pincettes, c'est ce que je t'avais ouais, dit. Hein. Pour moi, c'est voilà, il y a plein de choses auxquelles on ne peut pas toucher sur cette chanson, parce que c'est une chanson tellement incroyable et qui incarne aussi tellement de choses, qui est une chanson très engagée. Et voilà. C'est un peu surprenant quand même parce que le plateau télé je connais pas, le face à face, le face to face je connais pas, mais c'est une super expérience donc tout est positif. No peace, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on.